bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi 20 septembre et c'est mon anniversaire. Et donc je vais partir. Donc là on est encore au petit déj. Donc il est 7h30. Nous terminons le petit déjeuner et il va falloir qu'on speed parce que dans 20 minutes on devrait partir normalement en même temps qu'Elsa, exceptionnellement sympa quoi. Tu veux dire pardon alors? J'ai pas entendu. Donc bah, on va se dépêcher, on va aller s'habiller et puis après c'est parti pour la grande aventure. Bon, bah, je suis arrivée à Chemillé. Il est 8h35, donc j'ai le temps. Mon train ne part qu'à 9h10. Donc bah, là, je vais aller tout doucement à la gare prendre mon train. Voilà. Anniversaire, Magali. Joyeux anniversaire. Merci. Non, 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 on va te filmer. Attends, je sens. Allez, parce que ça va me péter à la tronche. Là. Mais non. Ah non, mais je vais me prendre. Allez, un petit peu. Ah. Ah. Sexe à volonté. Je sais pas si c'est fidèle à ma dernière vie, je me dis. Bon, les amis, nous sommes samedi. Donc, il est midi. Comme vous le voyez, j'ai pris ma douche, je suis prête. Ma copine Aurore est partie prendre sa douche aussi. Du coup, hier, bah, franchement, super journée. Je suis ravie vraiment parce que déjà le transport finalement, alors, c'est chiant d'avoir des correspondances, on est bien d'accord, mais du coup le trajet paraît moins long en fait parce qu'on passe moins de temps dans les trains, dans tout ça. Et en fait le train qui a fait Angers-Paris, c'était 1h47 quoi, c'était même pas... Donc après oui j'avais d'autres trains parce que j'ai pris Chemillé-Angers et après Paris, j'ai pris le métro jusqu'à Paris-Nord et de Paris-Nord j'ai pris un train jusqu'à Creil et de Creil j'en ai pris un autre jusqu'à Clermont alors que entre Creil et Clermont il y a 10 minutes quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi, c'est de ma faute, j'ai acheté mes billets en plusieurs fois et de façon décomposée donc forcément, en plusieurs fois et de façon décomposée ça veut dire la même chose en fait. Du coup, forcément, mon trajet a été décomposé, mais c'est pas grave, ça s'est très bien passé. Ça me fait bizarre d'être revenue dans la région parce que hier j'étais en voiture avec mon frère et je reconnaissais rien en fait. Je cherchais la route et à un moment on était dans une commune que j'ai connue quand j'habitais ici et je dis à mon frère mais on est où là? Et là il me dit bah on est là. Je fais ah ouais, et je regardais autour de moi et je reconnaissais rien. Donc, bon, c'est... ça fait bizarre. Mais puis avec mon frère qui me dit que, clairement, il peut m'avoir du boulot si je voulais revenir dans la région. Il me donne clairement envie parce que quand je vois les soirées que j'ai passées avec mes copines, enfin, la soirée que j'ai passée avec mes copines hier, clairement, ça donne envie, c'est clair. Mais la vie, elle est beaucoup plus chère ici et je suis pas sûre que... Ce serait bien pour nous. Enfin, ce serait bien pour nous. Si j'étais en couple avec Eric, oui, ce serait très bien pour nous qu'on revienne ici. Parce que justement, on a nos amis, on a notre famille et on retrouverait en fait un équilibre de vie ici. Maintenant, enfin quand je dis nos familles, moi mes parents sont plus ici, mais il y a les parents d'Eric qui sont là, enfin son père en tout cas. Et c'est quelqu'un. Qui nous allégeait pas mal au niveau des enfants puisqu'il les gardait régulièrement pour qu'on puisse sortir tous les deux, chose que on ne faisait plus en fait quand on est arrivé dans le Maine-et-Loire. Et c'est partiellement ça qui nous a, je dis bien partiellement parce qu'après il y a nos comportements aussi qui ont fait, puis le manque de communication, tout ça, enfin c'est des choses qui nous ont un petit peu perdu, mais le fait qu'on s'oublie en tant que couple, bah forcément ça peut pas apporter de bonnes choses hein. Donc, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait, quelque part, me tenter un petit peu, mais qui me fait extrêmement peur, principalement d'un point de vue financier, même si, concrètement, voilà, moi, j'aurais pas de difficulté à retrouver du travail. Et je pense que Eric non plus, s'il voulait revenir ici, il aurait pas de difficulté à trouver du travail. Mais, enfin, dans la branche où il travaille aujourd'hui, honnêtement, ça serait carrément faisable. Mais, voilà, c'est pas une région qui nous attire, c'est pas un endroit où on se sent bien, donc je pense pas qu'on revienne ici un jour. C'est dommage vu les opportunités de travail par exemple qui peuvent s'offrir à nous, mais voilà, on a trouvé notre c'est un peu paradoxal de dire ça, de dire qu'on a trouvé notre confort de vie là-bas alors que on y a perdu notre famille,
mais la région est plus agréable, les gens sont plus accueillants, la vie est moins chère. Enfin, on a quand même pas mal d'avantages à vivre dans le Maine-et-Loire par rapport à l'Oise, quoi. Donc voilà. Mais bon, pour vous parler un peu plus de mon anniversaire, du coup hier, je suis arrivée à 14h40, je crois, à la gare de Clermont. Donc mon frère m'attendait. Du coup, il m'a emmenée voir sa chérie, rencontrer son bébé. Oh, j'ai pouponné, je me suis fait trop plaisir. Il est tellement mignon, ce petit cœur. Et donc effectivement, il ressemble énormément à mon frère. Hein. Je confirme ce que je disais déjà avant. Et puis, en fait, on a passé pas mal de temps ensemble avec mon frère, puisque du coup, je suis arrivée à 14h30 et il m'a déposée chez Aurore. Il devait être 19h30, je crois. Peut-être même plus que ça, il était peut-être même 20h. Je sais plus. Et du coup, hier soir, on a fait un barbecue. Donc hier soir, c'était pas vraiment une soirée fille, puisqu'il y avait le chéri de Aurore qui était là, puisqu'il habite ici, évidemment. Et que comme elle me loge, forcément, ça s'est fait chez elle. Et du coup, on a fait connaissance, puisque moi, je ne le connaissais pas. Puisque Aurore, elle est dans la même situation que moi. Elle est maman avec des enfants séparés. Et donc, elle a retrouvé un chéri depuis 7 mois maintenant. Et donc là, on l'a rencontré hier soir. Il y avait ma copine Pris qui était là également. Donc du coup, on s'est fait un petit barbecue à 4 hier soir. C'était franchement sympa. Bon, j'ai changé de pièce parce que j'ai été... je vais pas dire dérangée, hein, mais j'ai reçu un appel. Donc je disais, ouais, en fait, hier, Aurore m'avait prévu un gâteau. J'ai soufflé les bougies. Elles m'ont fait des cadeaux. Enfin, franchement, je m'attendais pas à avoir un cadeau. Enfin, c'était vraiment... Moi, de base, je voulais juste marquer le coup, quoi. Et franchement, ils l'ont super bien marqué. Du coup, on m'a offert une carte cadeau chez Promode, ma boutique de fringues préférée. Et puis, Pris, elle m'a offert un sac à main avec une bonne surprise. Donc, le sac, il est là. Moi, je le trouve super joli. En fait, il se ferme, il se referme avec une petite pression, là, sur le haut. Si j'y arrive... Parce que du coup, il y a une pochette à l'intérieur. Voilà. Donc, il se ferme en fait au milieu. Donc, au niveau d'ici, hop, voilà, il y a une pression. Dedans, il y a une pochette pour centrale, donc pour mettre pas mal de bazar dedans. Puis après, il y a quand même de la contenance. Sauf que en fait, Pris, elle n'a pas retiré l'antivol. Donc, je suis coincée avec mon sac avec un antivol. Donc, techniquement, il aurait fallu que j'aille chez Intermarché puisqu'elle l'a acheté chez Intermarché. Sauf que moi, chez moi, j'ai pas d'Intermarché. Que là, concrètement, on va partir... Ah, si, peut-être qu'on peut passer à celui de Rantigny. Ah ben non, puisqu'on part vers Compiègne. Je sais pas comment on va gérer ça. Je sais pas. Parce que va falloir qu'on essaye de l'enlever nous-mêmes, hein, je pense, parce que c'est compliqué. En plus, c'est pas un petit antivol, hein, c'est vraiment le truc qui est comme ça, quoi. Donc c'est galère. Voilà. Du coup, on va voir comment on va gérer ça. Donc finalement, les plans ils ont changé puisque normalement on devait aller manger ce midi au resto avec ma meilleure amie Béa qui devait nous rejoindre. Et finalement, je l'ai eu ce matin par message et en fait, on s'est mal compris. On s'est très mal compris puisque apparemment Béa m'a dit qu'elle ne pouvait pas en fait ce matin, enfin ce midi. Et moi, j'ai pas du tout compris ça. Donc elle avait compris qu'on se voyait demain. Enfin, elle avait prévu qu'on se voit demain, sauf que. En fait, je pense qu'elle a pensé m'en avoir parlé, mais elle me l'a pas dit parce que moi, je suis absolument pas au courant. Et du coup, on s'est mal comprise en fait. Donc bon, après, il y a pas, enfin, c'est pas grave en soi. Hein. Le principal, c'est qu'on arrive à se voir. Mais du coup, moi, demain, je peux pas puisque je reprends le train à 11h demain matin. Donc clairement, je pourrais pas prévoir de voir quelqu'un demain. À la base, j'avais prévu de repartir plus tard, en début d'après-midi. On aurait pu se voir le midi pour manger, mais là, pour le coup, vu que j'avais eu un projet de voir quelqu'un avant de partir le midi, mais finalement, ça s'est pas fait. Donc, du coup, j'ai prévu de prendre un train plus tôt, du coup. Et donc, je repars à 11h, je crois, 11h17, si je me trompe pas. Et donc, du coup, je ne pourrai pas voir Béa demain. Donc, elle m'a dit qu'elle était dispo ce soir. Donc, finalement...
Pris n'était pas non plus dispo ce midi finalement, donc elle a pas mal de choses à faire. Donc là, elle est repartie chez elle, puisqu'elle a dormi avec moi chez Aurore. On a dormi, on s'est fait une soirée pyjama en fait hier. Moi, j'ai dormi là et elle, elle a dormi à côté. Et on a papoté. Franchement, c'était trop drôle. J'ai vraiment adoré. Enfin bref, et du coup, là, on se retrouvera ce soir en fait. Donc moi, cet après-midi, je vais aller voir ma sœur en début d'après-midi. Je viens d'apprendre que la petite sœur de Eric a accouché hier, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire. Donc je suis contente et du coup, comme je suis là, je peux pas partir sans aller la voir. Enfin, donc elle sait pas que je suis dans l'Oise en fait, puisque je viens d'avoir son papa et en fait, il était pas du tout au courant. Donc quand elle va me voir débarquer dans sa chambre, je pense qu'elle va pas s'y attendre. Vraiment. Donc je suis juste dégoûtée, c'est que je vais pas avoir le temps d'aller lui chercher un cadeau, donc je vais lui en envoyer un, c'est pas grave. C'est cool. Je vais pouvoir aller la voir et puis ensuite on va partir faire du shopping parce que j'ai une carte cadeau, donc je vais aller choisir avec Aurore en fait, puisque c'est elle qui me l'offre. Et puis après on va se retrouver donc avec Pris et Béa, ma meilleure amie, et puis on va se faire un petit resto toutes les quatre ce soir. Voilà. Juste nous quatre. Donc c'est cool, je suis très contente. Donc voilà. Bon je vais retourner en bas avec Aurore parce que là du coup je me suis enfermée dans la chambre pour vlogger, mais du coup vous avez pu les voir quand même brièvement mes copines sur la vidéo du gâteau d'hier soir, mais je vais pas les filmer tout le temps. Je sais qu'Aurore elle veut bien apparaître comme ça succinctement, mais pas non plus trop. Donc je respecte ça, il y a aucun souci. Donc voilà, je redescends et puis on va aller se faire un petit barbecue encore ce midi. Donc c'est les derniers de l'année, alors on en profite. Bon les amis, ça y est, on est dimanche matin, je sors de la douche et il est 8h30, peut-être 9h maintenant. On s'est levé à 8h ce matin avec Aurore pour être sûr d'être à l'heure, parce qu'on doit partir vers 11h10 à peu près pour aller à la gare. Et du coup je reprends le chemin de chez moi. Donc hier soir on a passé une super soirée, enfin toute la journée en fait, hier c'était plutôt chouette. On est parti, on a été rendre visite à ma sœur, ça m'a fait plaisir de la voir. Puis elle a tellement changé aussi, parce qu'en fait ma sœur était obèse avant et elle s'est fait poser une sleeve. Et du coup elle a perdu, je sais pas, plus de 40 kilos et forcément ça change quoi. Donc quand je l'ai vue ça m'a fait tout drôle et... Ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait tout drôle. J'ai vu mes neveux et du coup, Eric m'avait appelé le matin pour m'annoncer que sa petite sœur avait accouché en fait la veille, donc le jour de mon anniversaire. Du coup, je suis passée à la maternité la voir, vu que j'étais là, je pouvais pas repartir sans. Ça m'a fait super plaisir, parce qu'en fait, du coup, sa sœur était là, sa mère aussi, donc j'ai pu voir tout le monde, c'était chouette. Je pensais vraiment ne pas avoir... Enfin, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que comme... c'est Aurore qui m'emmène partout en fait, et du coup je voulais pas abuser de sa gentillesse et j'ai pas osé lui demander qu'elle m'emmène voir le papa d'Eric qui n'habite donc avec sa femme et ses filles du coup, qui n'habite finalement pas du tout à côté de chez elle, et donc forcément c'était gênant et j'ai pas osé lui demander, donc je m'étais dit tant pis, la prochaine fois peut-être. Et en fait vu que la maternité où elle a accoucher Amandine, c'était finalement pas très loin de la zone commerciale où on s'en allait. J'ai demandé à Aurore et on a fait un petit crochet. Ça nous a fait un crochet quand même, mais ça faisait moins loin que d'aller jusque chez eux à leur maison. Donc voilà, du coup, j'ai pu voir, j'ai pas vu que Amandine, j'ai vu aussi sa maman et sa sœur et ça m'a fait super plaisir. Donc comme ça, j'ai pris plein de photos pour Eric. Il est content du coup de pouvoir voir son petit neveu, même si ça lui fait de la peine de se dire que moi je l'ai vu et pas lui. C'est un petit peu délicat, donc voilà. Donc après ça, on est allé dans la zone commerciale. On est allé en fait chez Promode, puisque Aurore m'avait acheté, m'avait offert une carte cadeau chez Promode. Et du coup, on a été acheter des vêtements et des boucles d'oreilles. Voilà. Et elle m'en a offert une autre paire aussi. D'ailleurs, je l'ai là, j'aurais presque pu vous la montrer. Et puis ma copine Pris, je vous l'ai montré... dans la vidéo d'hier, m'a offert un sac à main sur lequel elle a oublié d'enlever l'antivol. Et justement, le chéri d'Aurore est en train de... Je ne sais pas s'ils vont pouvoir se tourner. Voilà, les boucles d'oreilles que m'a offert. C'est trop mignon parce qu'on dirait des attrape-rêves. J'aime beaucoup. Voilà. Et c'est sa fille, Aurore, qui les a choisies en plus. C'est trop chou. Mais moi qui n'avais plus que des anneaux, et comme ça, je suis refaite en termes de bijoux. Donc voilà.
Du coup, bah là, on va bientôt partir pour aller... Enfin, bientôt. Pas tout de suite, mais après, le temps que tout le monde prenne sa douche. Et après, on va partir à la gare et direction chez moi. Hier soir, du coup, on s'est fait un petit... Après le shopping, on s'est fait un petit resto. Alors, normalement, hier soir, on devait se retrouver avec Pris, qui normalement devait revenir. Elle est venue déjà vendredi soir me voir, mais elle devait revenir. Et puis, il y avait ma meilleure amie, Béa, qui devait nous rejoindre également. Et bon, grosse déception. Ni l'une ni l'autre ne sont venues hier soir. Pris avait en fait mal par... Elle était malade déjà de base quand elle est venue vendredi. Elle était déjà malade. Je suis assise sur les toilettes pour filmer. Je sais pas si je peux vous montrer vraiment. Parce que le téléphone, il est lourd. Et du coup, je l'ai posé sur le lavabo. Mais ouais, en fait, elle avait fait du sport avec ses copines et en fait, elle galérait à marcher, elle avait super mal. Et du coup, elle n'a pas eu le courage de revenir. Hier soir, elle était rentrée chez elle pour faire tout ce qu'elle avait à faire, elle n'a pas eu le courage de revenir. Et bah, ma meilleure amie, en fait, elle ne m'a pas donné plus d'explications que ça. J'ai l'impression qu'elle ne va pas très bien, en fait. Donc après, voilà, je lui en tiens par rigueur. J'imagine bien que si elle n'est pas venue, c'est qu'elle avait une bonne raison. Donc on en discutera, ouais, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'était décevant parce que du coup... C'était ma soirée d'anniversaire. Voilà. Bon, ben, je vais aller ranger mes affaires. Puis, je vais laisser la place dans la salle de bain. Ouais, je vous ai pas présenté Valco. Valco ! Vous le voyez là-bas sur le lit, n'est-ce pas ? Petit phénomène. C'est un pincher. Il m'a collé tout le week-end. Non, il est mignon. Il a 15 ans, par contre, hein, donc... Il est plutôt jeune, mais non, il est chou. Il est trop marrant. Hier soir, je suis arrivée dans ma chambre. Enfin, là, ben voilà. Il est là. Il est là, Valco. Regarde, petite bouille. Il est trop mignon. Vieux pépère. Hein? Hier soir, j'arrive dans la chambre, là, pour me coucher. Il était couché là, sur mon oreiller. Ah, c'est vrai. Crapule. Il est trop mignon. Il est hyper cool, ce chien. On l'entend pas, on le voit pas, il dort dans un panier sous une table. Franchement, c'est hallucinant. Il est trop chaud. Je suis rentrée. Ma petite famille. Ouais, je voulais pas trop avec les rideaux, les gars, parce que papy il a fixé la tringle, mais. Tout à l'heure, non, je t'ai pas filmé, t'inquiète. Une tapette à mouche dans la cuisine. Ah, il y en a deux. Et là, je me retourne, je vois les deux sur la table. Il pleure. Mais j'ai pas dit non pour mettre les bouchées, j'ai dit laisser les rideaux tranquilles. Attends, non mais attends, il est en train de pleurer là. Oui. Je fais pour les bouchées. Pour papa d'être sûr de pas être sur la vidéo en fait. J'ai que ça comme cadeau. Ah. Bah, joyeux anniversaire Magali. Bah moi je suis pas plutôt heureux de bon, je loue, hein, mais je sais ce que c'est. Ah, moi chérie, vous mettez pas de bouche. Je sais pas où elles sont. Elles sont tout en haut. Tu sais déjà ce que c'est? Bah oui. Bah oui. Bah tu sais, Anaïs et moi, on discute. Hein. Alors maman, tu une surprise ne reste jamais longtemps une surprise. Vu que j'aime pas les surprises, je fais toujours tout pour deviner. Mais non, maman. C'est ma crème hydratante. On s'en fiche, je mets pas la crème hydratante. Oui, ah bah toi, non, mais moi, oui. J'adore cette crème. C'est bon, c'est dans la maman, Marceau, il aura pris deux bouts. Ouais, je pense, ouais. Je vais la toucher pour être sûre. Mais... Marceau, il a pris deux bonbons. Les c'est jour de fête. Oh, oui, je m'en prends. Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Oh, mais c'est qu'il y en a plusieurs. Il y a de la vie. Ouais, c'est ça. Ah, oh, j'adore. Je vous en fais, tout le monde se sert. Voilà. La texture, c'est juste. Oui, c'est un pur bonheur. L'odeur, c'est un pur bonheur. Merci, moi. Je ne sais pas. Je ne pensais pas qu'une crème de la CPA, mais. Bah si, celle-là, oui. Pour acheter de la Nivea, ça m'aurait pas fait le même effet. Ça, c'est de la part de nous. Bah oui, je vois bien, Adam, Elsa, maman. Non, Marceau. T'as écrit maman, t'as écrit Marceau. C'est pas grave. Merci. Anniversaire. Annie, c'est qui a écrit? Moi. C'est que j'avais pas été ça. Donc... Ah ouais, non, c'est même pas ça, c'est plus l'orthographe en fait. Ah oui, c'est que j'ai oublié le E, mais j'ai pas mis le E parce qu'il n'y avait pas cette place. Non, mais c'est que le Yamada a là aussi de E en fait. À la place du Ali, c'était un. Et puis à la fin, t'as même. C'est pas grave, c'est ma chérie. Et donc. J'ai lu la carte. Arrête! Trop le relou quoi! Si je me fais la réponse.
bon, les amis. Ça y est, je suis bien rentrée chez moi, comme vous avez pu le constater. Là, il est 17h45, je pense. Et donc, en fait, Eric est venu me chercher avec les enfants à la gare. Et puis, on est revenu ici. Finalement, il est resté avec nous. On a mangé un morceau de gâteau. On a fait une partie de jeu de société. Et puis, oui, mon cœur. Comme il veut pas prêter. Comme il veut pas prêter ses dinosaures. Non. Il n'est pas gentil. Hein. Bah, tu lui dis. Moi, je lui ai demandé de prêter. Tu lui dis de prêter. Bah, tu lui dis. Dis-lui, toi. Tu lui dis, maman, elle a dit que tu devais prêter, sinon je les confisque. Comme maman a dit. Mon frère a acheté des dinosaures pour Combe parce que voilà, j'ai eu le malheur de dire que Combe adorait les dinosaures et comme mon frère est son parrain, du coup, il lui a pris des dinosaures. Sauf que tout le monde est jaloux. Donc je disais, oui, Eric est venu me chercher à la gare avec les enfants. Finalement, il est resté avec nous, on a mangé le gâteau, on a fait un jeu de société. Et puis là, en fait, on va partir, c'est la surprise de la soirée. En fait, Anaïs nous invite au McDo ce soir. Alors bon, c'est parce que à la base, je lui avais demandé d'acheter. En fait, elle voulait absolument manger des lasagnes ce soir. Sauf que les lasagnes qu'Anaïs aime, ce sont les lasagnes Marie, donc surgelées, réchauffées au four. Je confirme qu'elles sont excellentes hein, puisque moi aussi j'aime beaucoup ça, mais du coup elle devait, vu que c'est un plat surgelé et que je n'ai pas encore de congélateur, elle devait en fait en sortant du boulot, elle devait acheter le plat samedi soir en fait pour qu'on l'ait aujourd'hui, mais sans, parce que moi j'ai fait mes courses jeudi, donc si je l'avais acheté jeudi jusqu'à ce soir ça aurait pu être bon vu qu'il aurait serait resté dans le frigo. Alors que comme elle travaille chez Leclerc, elle m'avait dit bah je l'achèterai samedi soir et puis je le ramènerai à la maison et puis on mangera dimanche soir. Sauf que elle a oublié. Du coup bah elle m'a dit c'est pas grave, je vous emmène tous au McDo. En fait elle a des tickets resto qui lui servent à rien. Donc déjà elle a des tickets de 9 euros. Déjà c'est énorme et en plus ils ne lui servent à rien parce que en fait. Toute la semaine, elle ne travaille que l'après-midi, donc elle mange avant de partir. Et le samedi, concrètement, elle n'a qu'une demi-heure pour manger, donc elle n'a pas le temps d'aller manger au resto ou quelques, ou au McDo ou quoi que ce soit. Donc 9 euros, c'est énorme. En général, elle s'achète un petit sandwich à 3-4 euros et puis elle retourne bosser, quoi. Donc finalement, ça lui sert à rien. Et le jeudi, quand elle est au CFA, ils prennent pas les tickets resto. Donc c'est dommage pour elle. Mais du coup, bah, ils lui servent à rien. Donc là, ils lui servent à rien. Si, quand elle va sortir avec ses potes et tout ça, elle pourra les utiliser au McDo, mais ça arrive pas souvent. Et donc, du coup, ce soir, elle a proposé de tous nous inviter, Eric compris. Donc, vous allez me dire, je croyais que tu devais voir, moi, moins voir Eric, mais les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas. On va laisser faire le temps et on verra ce que le temps nous apporte. Je pense que je n'en parlerai pas trop parce que pour l'instant, il n'y a rien à raconter déjà. Mais même s'il y avait des choses à raconter, je pense que voilà, le sujet Eric, pour l'instant, on va le mettre en stand-by. Et puis, avec le temps, on verra comment ça se passe, ce qu'on fait, ce qui va pas. On avisera avec, avec le temps. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog puisque je vais devoir le monter ce soir. Et demain est un nouveau jour. J'ai oublié de vous dire, information pourtant très importante, demain, nous serons donc lundi, jour où vous allez voir ce vlog, je démarre ma formation de réinsertion. En fait, la dame m'a appelée vendredi après-midi, j'étais chez mon frère et... Mais en fait, elle m'annonce ça comme ça, du vendredi pour le lundi. Bon, bah finalement, on a réorganisé une session et ça démarre lundi. Donc, je démarre demain. Donc demain à 9h30 jusqu'à 16h. Enfin, j'aurai une pause demain midi. D'ailleurs, il faut que je me prévoie un truc à manger, j'avais pas pensé.
Et puis, du coup, je finirai à 16h. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux emmener les enfants le matin. Et je suis là pour les récupérer le soir. Donc, ça, c'est top. Et puis, c'est exceptionnel, deux journées complètes. Parce que en fait, il y a le forum de l'emploi mardi. Et du coup, ils veulent absolument qu'on y participe. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, ça me pose pas de problème. Et donc, ils vont nous préparer à ça. On va refaire nos CV, etc. Donc, du coup, ils nous gardent lundi toute la journée. Mardi, on fait formation le matin et forum de l'emploi l'après-midi. Et ensuite, ça sera que des demi-journées. Il n'y a pas de mercredi. Donc cette semaine, j'aurai pas le mercredi de formation. Et en plus, on n'aura pas le jeudi non plus, puisqu'on aura fait mardi et lundi après-midi. Voilà. Et à partir de la semaine prochaine, du coup, ce sera que les matinées de lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc moi, pour moi, l'emploi du temps, il est vraiment parfait. Donc je suis très contente. Donc voilà. Donc sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Et puis, du coup, vous allez me suivre dans ma journée demain. Le vlog sera peut-être un peu moins long, du coup, puisque je ne serai pas là la journée. Mais je vous raconterai comment j'ai vécu ce premier jour de formation. Et puis, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour cette nouvelle journée de vie active.